Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À partir d'aujourd'hui, je commence mes conserves de courgettes. J'ai 44 kg de courgettes et il faut que je trouve plusieurs recettes à mettre en conserve ou à mettre au congélateur. Et aujourd'hui, c'est la soupe de courgettes pommes de terre que je vais mettre en bouteille et au congélateur. Après avoir enlevé les graines de courgettes et certaines à les éplucher, il me restait 3,5 kg de courgettes. J'ai coupé le tout en petits cubes. J'ai aussi dans mon potager des pommes de terre, donc j'en ai pris 1 kg, je les ai épluchées, coupées et lavées pour ajouter à ma soupe. Je mets tout dans ma grande casserole et j'ajoute mon assaisonnement. Une cuillère à soupe de curcuma, du sel, de l'ail et deux oignons coupés en gros. Et j'ajoute 3 litres d'eau. Je laisse cuire à feu fort pendant 40 minutes avec un couvercle. Une fois la cuisson faite, je commence à mixer le tout avec mon mixeur plongeant. Une fois mixé, je goûte et je rectifie l'assaisonnement en ajoutant un peu de sel. Une fois ma soupe refroidie, je la mets dans des bouteilles qui ont été lavées au préalable. Je ne les remplis pas au maximum parce qu'en congélant, ça va gonfler et ça risque de faire exploser la bouteille. Avec cette quantité d'ingrédients, j'ai réussi à faire 7 litres de soupe. Je voudrais faire 4 fois cette préparation pour dire d'avoir assez de soupe de courgettes pour l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à vous abonner et je vous dis bon appétit et à bientôt.